Cette vidéo va être nulle, appuyez déjà sur la croix. Pas, elle est pas en dessous. On va faire ça avec Jérôme, il serait content. Ta gueule. Elle, je sais pas, elle montre une nouvelle technique de natation assez foireuse. Ah, elle fait un petit tour de magie. Coucou. Ben ouais, elle s'attache les cheveux. En fait, vous le savez pas, mais elle porte pas de soutif en dessous de son joli kiki. Puis après, elle prend un pinceau et de la poudre jaune, bleu et peut-être rose. Puis elle en met sur son faciès, dans ses yeux, sur son cou. Elle a un joli pot, elle le secoue, elle tamponne, c'est joli. Bravo. Wow. Elle tapote sa paupière, elle tapote son nez, elle tapote sa tempe, elle tapote son arcade sourcilière, elle tapote son menton, elle tapote sa lèvre inférieure, elle tapote l'autre arcade sourcilière, elle retourne sur la première, elle retourne sur la deuxième. Puis elle frotte sur sa paupière, mais je sais pas pourquoi, parce que je vois pas de différence. Elle prend une couleur, c'est brun. Elle a une jolie boîte. Petit clin d'œil, t'as vu. Puis elle met le brun sur sa paupière. Elle met une autre couleur au-dessus de sa paupière. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Elle en met une autre en dessous. Je sais toujours pas ce que c'est. Puis elle met du gloss sur ses paupières. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Puis elle met du vert. Et puis elle tamponne du gris dans ce coin de paupière. Nickel. Elle fait encore un placement de produit, 2 semaines de plus au Japon, merci. Puis elle met un truc clair, genre blanc. Puis elle fait la balance sur son nez. Elle met du mascara. Le seul truc normal que j'ai vu depuis le début de cette vidéo. BAM! Bruit de gong. Puis elle frotte, elle frotte. Elle frotte encore. Perso, je vois pas de différence, je sais pas pour vous. En plus, elle est incapable de faire une mise au point. Puis elle frotte son front. Je sais pas. Vous trouvez pas que cette fille a toujours été un peu chelou? Puis elle cache sa barbe, je suppose. Et elle cache bien sa barbe de gros portugais. Elle part toute seule en plus. Je crois que c'est le dérèglement hormonal. Alors, hier, je me suis épilé. Hein. Ça faisait super mal. J'ai adoré. J'arrête pas de crier. Douleur senpai! Alors, elle prend un autre mascara. Bah. Mais non, il y a un truc qui va pas. Elle recommence à frotter, comme tantôt. La moustache maintenant, après la barbe. Encore les joues, encore une joue. Elle change de pinceau, on varie les plaisirs, hein, soyons folles. Elle rigole, ça la fait rire. Oh, elle est joyeuse! Et puis elle frotte toujours, elle frotte son nez, elle adore frotter en fait, c'est sa grande passion. Ouh, un petit tube en métal, qu'est-ce que c'est, surprise? Oh, du rouge à lèvres! Est-ce qu'on voit la différence? Bah non. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est de laide en fait? Quelle horreur! Oh, c'est mignon, qu'est-ce que c'est tout petit? Ah! Elle met du fond de teint sur ses lèvres. Dans le coin de ses yeux. Oui, soyons fous. Puis elle fait des petits points sur ses paupières. Puis des petits points au-dessus de ses sourcils. On dirait qu'elle se prépare à invoquer, je sais pas, un démon. J'ai perdu le feu sacré. On a dû faire un rituel d'incantation. Puis là, elle fait une petite entrée sur la gauche. Elle détache ses cheveux. Regardez le grand... Ah bah non, tout petit mouvement capillaire. Ah, c'est triste. Triste à voir. Du coup, pour masquer le désastre, elle va faire bah, une tresse, hein. Il reste que ça à faire, de toute façon. Elle fait encore n'importe quoi, on dirait qu'elle fait plein de torsades, je sais pas. Puis elle se prend pour la Reine des Neiges, version tribale. Puis elle met, je sais pas, une petite broche dans ses cheveux. Mmh. Ben en fait, ça ressemble à rien. Puis Poker Face. Oui, elle est contente. Ah, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Aimez mon Instagram. Et bisous. Ouais, salut.